Tchou! Allez, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors, en direct de. Alors là, on est pour de vrai. Je peux vous dire, on a misé sur la soirée locale. Alors, je suis pas à moto. Comment vous pouvez croire? Je suis à. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Genre un petit peu. Je vais bien voir parce que. Attendez. Non, je crois que je peux faire. On va faire des. Voilà. C'est les vélos électriques. Voilà. Donc c'est la spécialité de Scotch and Bell. Alors vous sortez du taxi, vous sortez du métro et au lieu de prendre un taxi, vous prenez un vélo électrique. Voilà. Donc ça avance pas super vite, même pas vite du tout. J'ai pas pris mon besoin de moto ni mon casque, mais bon, ça va pas. Voilà, ça avance pas. Alors oui, c'est dangereux, machin et tout, mais bon, voilà, les mecs, on peut dire que ça roulait. Ça serait faux, mais voilà, c'est pas. Ça va, c'est dans l'ensemble. Donc on vous emmène manger, on va chez Frankie's, qui font de. Ça reste un pub un petit peu anglais. Des hamburgers plutôt sympathiques, donc je fais voir un petit peu la route. Donc je filme avec les deux caméras, voilà, c'est ça. Donc je suis avec. je suis avec Jérôme, un pote de Shenzhen et tout. Donc du coup, voilà, on fait la balade un petit peu, où on a pris deux. Alors ça nous coûte, c'est un peu cher par rapport, c'est 10 bahts, pas dit dans 10 RMB. En 10 RMB, c'était 1,50€. Pour rouler un petit peu, bon voilà, c'était pas mal rigolo. J'ai mis le micro avec les mouflottes, comme ça vous me direz s'il y a du souffle ou pas. Ah, c'est un vélo, hein, c'est un vélo électrique sur lequel ils mettent un porte-bagage avec une selle. Et du coup, bah, c'est quand même. Je vais passer un petit peu, on va changer. Voilà, comme ça vous verrez mieux la route. Donc c'est un vélo électrique sur lequel il y a une espèce de pauvre selle à l'arrière, un porte-bagage enfant. Et bah voilà quoi, on arrive et je me balade dans la micro. Donc on va aller jusqu'au restaurant et. On va aller manger un peu, je vais voir un petit peu comment ça construit. Merci au stabilisateur. Je fais pas exprès, je vous promets. Voilà, voilà, bah vous voyez bien le dossier. Vous voyez un petit peu. Vous voyez bien le dossier. Je sais pas, peut-être qu'on fera cette vidéo en deux parties. Une petite partie en balade en vélo électrique avec un nom bien racoleur. Il passe par là. Voilà. Okay. Voilà. C'est marrant parce que, okay. Arrivé là-bas, il pourra pas passer en photo. Donc, peut-être, on fera peut-être une balade en vélo électrique à contresens. Couleur locale. C'est normal. Ouais, mais ici, c'est moins grave. Chez vous, vous direz oui, en contresens, les radars, ou la police et tout. Mais là, ils ont bougé quand même, hein. Mine de rien, ils sont passés devant. Hein. Ouais, c'est par là. Donc, du coup, je pense qu'on découpera cette vidéo en deux parties. Une partie balade en vélo électrique à derrière de vélo électrique comme ça et je vais faire éventuellement Jérôme derrière et puis une partie où il va y avoir un peu le restaurant c'est ultra confortable quoi. Oh, putain la vache, c'est pour ça s'il y a un accident on aura l'épreuve. Hey. Voilà, donc on arrive, donc ils vont nous emmener, en même temps ils vont nous jusque devant. Donc voilà, après on a pris le métro, on était super sages, on a pris le métro. Pour faire de l'économie, mais... on a pris le métro, parce que bon, à cette heure, c'était le soir, tout à l'heure, pas de chambé, il n'y a vraiment pas de taxi du tout, quoi. Donc on a préféré prendre le métro, donc on est sorti, on n'était pas à côté, parce qu'il y a quand même, 20 minutes de marche. Il est marqué à pied, et... on n'avait pas envie de se taper 20 minutes de marche. Là en vélo, c'est quand même plus rigolo. Et du coup, ça fait une vidéo qui est bien fun. Hein, voilà. Donc là, on va arriver au restaurant, il est sur la droite. Je me rappelle maintenant, bienvenue. Et puis, bah, ça fait une petite balade un peu sympathique, un petit peu rock'n'roll. Ça existe. C'est pas officiel, hein, ils sont pas déclarés les mecs, machin, tout. Mais voilà, c'est une partie du métier. Et puis, bah, ils gagnent un peu leur vie comme ça. Et on ne peut pas leur reprocher. Voilà, chacun peut prendre l'argent comme il veut. C'est. Voilà. C'est pas mal. Voilà, moi comme toujours sur ces vidéos, chers commentaires, pouces en l'air. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine partie de chez Francky. On va arriver ici, on va pouvoir me les donner. Wow. Ah. Hey, hein. Oh, thank you. Combien, t'as de la petite monnaie? Ouais. Et en plus, faut que je te paye le taxi. Ouais, sinon je te paye le burger. Oh là, ça pousse pas. Thank you. Bye. Je vais voir un peu les vélos pour ça à la fin. Voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est vrai ça que c'est super pas confortable. Voilà, et les voilà partis. Voilà, adieu, merci, c'était très sympa.